Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors continuons cette série de petites vidéos en parlant du jeu 101 Ways to Die, un jeu de Four Door Lemon, visiblement un studio indépendant assez ancien et assez réputé dans son pays. Ce jeu est décrit par les développeurs comme étant l'anti-Lemmings. Et en effet, il y a un peu de ça. On y contrôle un scientifique qui va essayer de trouver le maximum de méthodes pour mourir. Et pour ça, il va utiliser des cobayes. Donc globalement, dans le jeu, on se retrouve sur des écrans 2D avec à disposition différents objets qu'on va pouvoir positionner dans le décor dans le but d'empêcher les personnages d'arriver jusqu'au bout du niveau. Alors, dans l'idée, ça peut paraître assez simple. Dans les faits, ça l'est nettement moins. Il va falloir être assez sadique pour s'en sortir et pour le faire de la meilleure façon possible. Sans être spécialement beau, le jeu a un univers assez sanglant et assez glauque. Quasi steampunk par moment qui fonctionne vraiment très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est le gameplay. Alors, il n'y a pas énormément de niveaux, c'est un peu dommage, parce que la durée de vie est du coup assez réduite. Mais au-delà de ça, pour réussir à les finir avec les 3 étoiles dans chaque, il va falloir se montrer sacrément inventif. En gros, il va falloir essayer de créer des combinaisons pour tuer les cobayes de la manière la plus originale possible et de la manière la plus efficace. Il y aura plusieurs types de cobayes qui vont apparaître au fur et à mesure des niveaux, rendant les choses de plus en plus difficiles. Et également de plus en plus d'objets, évidemment. Il faudra aussi parfois jouer avec le décor lui-même ou des interactions entre les différents objets. On notera aussi que la bande son est plutôt marrante, plutôt bien trouvée. Et du coup, bah, on prend un certain plaisir à parcourir les niveaux et à essayer de faire de son mieux pour essayer d'atteindre un jour les 101 morts différentes proposées par le jeu. Alors ça manque peut-être un peu de mode de jeu, ça manque un peu de durée de vie, mais globalement c'est difficile de dire que ce jeu n'est pas intéressant ou qu'il n'est pas agréable à jouer. Le seul regret viendra du manque de précision quand on place un objet qui des fois peut poser un peu problème, alors que justement la physique est elle assez précise, les deux mis ensemble, ça peut des fois être assez gênant. Pour le reste, étant donné le peu de mode annexe et le peu de possibilités globales du jeu, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais si vous le trouvez à un prix raisonnable, c'est une acquisition qui peut être très sympathique. Si vous connaissez ce jeu et que vous y avez joué, je vous invite à laisser un commentaire et donner votre avis sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Wow.